Alors bonjour tout le monde. Comme d'habitude le lundi, mes prédictions de la semaine. Je vous avouerai que je ressens des trucs qui sont pas bons. Quand je vois ce qui se passe un peu partout, les manifestations contre la violence policière un peu partout en Europe. Je disais que dans une de mes vidéos que je ressentais une guerre civile entre déjà contre le gouvernement, déjà en France, hein, déjà en France, déjà le gouvernement en France, et aussi qu'il y a un certain temps, il y allait avoir une guerre civile, on va dire inter-ethnique, pour pas choquer. Quand je vois ce qui se passe par exemple à Bruxelles, où j'ai vu deux, trois vidéos où ben, les gars s'appellent ne manifestent pas gentiment puisqu'ils pillent des magasins. Voilà, donc tout ça, ça va. Même en France, hein, il y a eu des pillages de magasins dans des manifestations contre la violence policière, etc., etc. Quand vous voyez que il y a je sais plus quel groupe une association noire, c'est pas du racisme mais c'est la vérité, qui incite les gens à la violence en disant, en criant au racisme et puis qui dit et en criant la France va manger, la France c'est des esclavagistes, la France c'est ceci, la France c'est cela. Là, il y a beaucoup de personnes qui, au placé, je vais dire, qui commencent à péter un câble en disant, mais attendez, les gars, si vous n'êtes pas contents, vous prenez vos clics et vos claques, vous rentrez dans votre pays d'origine. Ils veulent faire de, ça s'appelle les manifestations anti-violence policière deviennent de plus en plus des manifestations racistes. Anti-blanc, etc., etc. Ça, j'en avais parlé, je l'avais dit. Malheureusement, on y arrive encore en plein dedans. Et là, même Nadine Morano, je viens de le voir il y a quelques minutes, dit, mais attendez, vous manifestez contre la violence, mais en même temps, vous détruisez tout. Maintenant, si vous, comme vous voulez, vous dites que la France est un pays raciste, c'est un pays esclavagiste, c'est un pays de merde, etc., etc., et ben vous retournez chez vous, quoi. Hein? Et vous restez pas en France simplement pour les allocations familiales. C'est ce qu'elle dit, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Je ne fais que répéter. Donc en attendant, on est, comme je vous dis, là, on est de plus en plus en guerre. Et une guerre qui va malheureusement dégénérer. Je en profite pour un petit peu de café à la vôtre. Et on a été réveillé de bonne heure ce matin, 8h moins le quart, parce que chez nous, là, sur la place où on habite, il y a des couvreurs qui sont en train de refaire un toit, et résultat des courses, 8h moins le quart, ça commençait à balancer les tuiles, les vieilles tuiles dans le camion, donc je vous raconte pas le bruit que ça fait. Donc on a été réveillé à 8h moins le quart. Voilà. Alors j'espère que les petits lives de ma petite, ma belle-fille vous plaisent au fait. Non, elle fait de temps en temps, elle fait sur mon YouTube, à des moments elle fait sur le YouTube de Virginie. Bon, elle a le sien, mais il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc on vous mettra le lien de sa page à elle, son YouTube. Comme ça, si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner sur la sienne. On va commencer par la France. Donc Aurèle, Michel, Christine m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 10, 11. Et nous avons le pendu en droit. Stéphane, Myriam, Isa, Stine, Marie-Paix, Agnès, Sandra, Marilène, Dominique, le 7. Et nous avons le pape en vert. Guillaume, Sophie, le 5. 5. L'impératrice en vert. Martine, Assalia, Evelyne, Nadia, le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
les étoiles en vert. Ça, c'est frustration. Christiane, Laurent, Marie-Thérèse, le 3. Non, je viens de le faire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. L'empereur en droit. Coco, le 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le fou en droit. C'est quelqu'un qui s'en va. De toute façon, on le sait. Hein. Le Pascal, le 12. 11, 12. Les amants en vert. Geneviève, Renzo, le 17. 14, 15, 16, 17. Le diable en vert. Ah, il n'y a pas de colère? Ah, c'est étonnant. Édouard, Estelle, le 15. 15. La justice en droit. Alors, qu'est-ce que j'en conclus, moi, là, au niveau de la France? Bah, malheureusement, on continue gentiment à s'enfoncer. Moi, j'ai ce sentiment que. Bah, il y a beaucoup de personnes qui prennent ça pour une fatalité, disant, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, bah, à part subir. Et j'ai le sentiment que les gens commencent à baisser les bras en disant, mais là, on est au bout du rouleau, quoi, on n'en peut plus. C'est le sentiment que j'ai. Et le problème, c'est que, bon, bien entendu, le chômage va encore augmenter, mais là, à plein pot, quoi. Hein. Faut pas se faire d'illusions, malheureusement. On est vraiment au près du gouffre total, où justement c'est pour ça que je ressens moi une guerre civile où ça va péter dans tous les sens, parce que les gens sont complètement désabusés, en ont marre de la situation, en ont marre de voir ce qui se passe en France. Et tout ça va y faire. En plus, sans compter les manifestations qu'il y a contre la violence policière, contre ceci, enfin la violence policière, mais ils en profitent pour tout casser et puis piller les magasins. Il y a par exemple en Belgique, il y a deux vidéos qui sont passées. En France, c'est pareil, hein. Il y a des magasins qui. Des grosses manifestations où ben, les magasins, surtout les magasins de fringues, sont pillés carrément, hein. Il y a du vol manifeste, etc., etc. Là, après, moi, je continue à confirmer qu'il va y avoir un reconfinement par rapport à la situation avec le Covid-19. Moi, j'ai bien l'impression que l'État, au risque de voir beaucoup, beaucoup de personnes contaminées et mourir encore, attendent les élections du 28 pour pouvoir nous remettre en confinement. Le problème, c'est que si on nous remet en confinement, c'est carrément là. C'est peut-être un mal pour un bien, pour sauver des vies, mais en même temps, c'est carrément là la déclaration de faillite totale, quoi. Là, on pourra malheureusement pas faire grand-chose. Si on essaie de sauver l'économie, c'est au risque de nos vies. Donc, on va dire, c'est à double tranchant l'histoire. Et c'est ça qui pose problème. L'Allemagne, c'est pareil, ils sont au bord de la faillite. Il y a beaucoup de pays comme ça. Comme vous avez pu le voir, l'Italie compte quitter l'Union européenne. La Suède compte quitter l'Union européenne. L'Espagne manifeste contre leur gouvernement socialiste. Mais moi je reviens surtout à la France où ben je ressens, même si pour l'instant il n'y a pas vraiment de violence, mais ce regain de colère envers certaines choses, en l'occurrence ce conflit interethnique, on va dire, qui est en train de se mettre en place. Et là, c'est un peu dangereux, quoi. C'est même très dangereux parce qu'on va arriver à un certain stade
où ben, les gens vont dire, bah, attends, il y en a ras-le-bol de leurs conneries, et ils vont tirer dans le tas. Quand vous voyez qu'il y en a qui savent, j'ai vu ça aux États-Unis, même en France, où des blacks obligent des blancs à se faire, à se mettre à genoux devant eux, et en disant, excusez-moi, c'est pas nous les responsables, c'est pas notre génération les responsables. Ça remonte à plus vieux, et en même temps, ça remonte, c'est surtout les responsables. Comme je dis, c'est surtout les dirigeants des pays africains qui s'en mettent plein les fouilles et qui laissent crever leur peuple. C'est pas nous les responsables. On n'est pas quand même non plus responsables des misères du monde. La France, c'est bien joli, mais voilà. On a déjà assez de nos problèmes en France sans s'occuper des problèmes des pays d'autres ailleurs. Donc voilà, voilà, c'est ces gros conflits qui se mettent en place. Comme je vous dis, interethnique, et ça risque de faire du vilain, quoi. Voilà. Donc on m'a demandé de faire, parce qu'il y a une interrogation aussi qui est importante, entre, à première vue, il y aurait des tensions énormes entre la Chine et puis les États-Unis. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Voilà, Trump il fait pas dans le détail, hein, vous le savez très bien. La preuve avec quand vous voyez que bon, il avait réussi à baisser le chômage énormément là-bas aux États-Unis en mettant les points sur les i et puis les barres sur les t avec les entreprises en disant mais attendez, vous quittez les États-Unis, bah c'est simple, vos produits vont être surtaxés. Alors par contre là je vais avoir un petit problème, je vais demander tout à l'heure à bébé de venir quand j'aurai déjà tiré les cartes que je peux, parce qu'il me manque trois chiffres, donc ça va être bébé qui va tirer les cartes, mais on va commencer. Alors Nicole, Rebelle, Viviane, le 22, 1, alors ben, 20, j'ai 22 cartes donc c'est la dernière, et nous avons la Tempérance, Quête, le 20. Ah, oula, oh j'aime pas ça. Le diable en droit. Christophe Billy Bob le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Les amants en droit. Claudie, Simone, Pierre-André le 8. 4, La force. Oula. Alors ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que le diable et la force côte à côte, en droit. Ouh. Violette, Émilie, le 1. Le jugement envers. Et Patrick le 14. 14. Et nous avons le soleil en vert. Et on va demander à bébé de venir tirer trois cartes. Je vais lui mettre les cartes déjà en place. Voilà. Tu viens voir papa. Déjà, tu dis coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Allez, donne trois cartes à papa. Celle-là. Oula. Non mais, donne tout ça mon bébé, t'as tout ça à prendre. Tu peux prendre celle que tu veux. Voilà. Et encore une. Et voilà. Merci mon bébé d'amour. Allez, va finir ton exercice. Bon, ben, vous savez quoi? Pour l'instant, il n'y a pas de guerre militaire. Je dirais, il n'y a pas de guerre militaire entre les États-Unis et la Chine. Par contre, je verrais plus une guerre. Il y a de la tension entre les deux, hein, je ne le dis pas le contraire. Il y a de la tension. C'est très, très tendu entre les deux pays. Mais je vois pas de guerre militaire entre les deux, hein. Par contre, une guerre
diplomatique, oui. Là, oui, ça risque d'être chaud entre les États-Unis et puis la Chine. En même temps, il faut savoir que la Chine veut s'imposer au niveau industriel. La preuve, vous regardez les produits en France, les 80% des produits, c'est Made in China. Hein. Donc le problème, il est là. Donc, au niveau des États-Unis, non, moi je verrais plutôt voilà, une guerre diplomatique pour l'instant. Je vois pas vraiment de guerre militaire. Mais voilà, il y en a une qui fait la conne. Donc voilà, au niveau de la Chine, et puis voilà. Moi je reviens surtout à. Donc je vous rassure, les amis vont pas se balancer des missiles sur la gueule. Moi, ce qui m'inquiète pour l'instant, c'est ce qui se passe en Europe. Ça, c'est vraiment mon principal, ma principale inquiétude. C'est cette tension qu'il y a et la tension qui est en train de se mettre en place, on va dire, entre Noirs, Marocains, Algériens, Tunisiens et les Français, enfin, et les Européens, parce qu'il n'y a pas que la France qui est touchée par ce problème de conflits interethniques, il y a beaucoup de l'Allemagne, etc. Il y a beaucoup de problèmes un peu partout. Et malheureusement, ben, on va finir par se foutre sur la gueule, quoi. En plus, là, à mon avis, les groupes Al-Qaïda, qui sont en France, qui pour l'instant se tiennent à carreau, et c'est les fichiers S, etc., etc. Il y a eu le chef Al-Qaïda, je sais plus où, qui a été tué au Mali, par l'armée française. Donc ça va pas être, ça va être un peu tendu l'histoire. Hein. Il faut s'attendre à ce qu'ils seraient capables de nous faire des attentats pour se venger. Malheureusement. Et donc voilà. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place en Europe, qui est pas bon du tout, quoi. Mais qui est pas bon du tout, du tout, du tout. Et donc voilà pour aujourd'hui, pour la semaine. Je sais que les nouvelles sont pas bonnes, hein, comme d'habitude. On va me dire, ouais, tu vois encore que du négatif. Malheureusement, on est en plein négatif dedans. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Vous avez qu'à ouvrir les. À regarder ce qui se passe autour de vous. Vous allez voir que ben ça devient chaud, quoi. Malheureusement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas quand même à vous abonner à ma page, même si pour l'instant les nouvelles sont pas bonnes. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Virginie, à celle de Laurine, à celle de Valentin. Pour les recettes de cuisine pour la popote de Francis. Rassurez-vous, on essaye de faire notre maximum pour vous remettre des vidéos. Mais pour l'instant, on a quelques petits soucis. Donc, ne nous en voulez pas. Par contre, bah, je voulais toujours dire, à propos de certaines personnes, en l'occurrence, comment il s'appelle l'autre là, qui nous traite de cassos. Christian Leroy, si mes vidéos te plaisent pas, bah tu vas voir ailleurs. Deuxièmement, il y a aussi les personnes qui s'amusent à signaler les vidéos de Virginie. C'est bête pour toi, mais voilà, dès qu'on contacte YouTube, YouTube les remet. Ils s'aperçoivent que c'est de la délation gratuite. Faut savoir que la délation, la fausse délation est puni par la loi, donc faut savoir que YouTube peut avoir ton adresse IP qui nous donnera ton adresse postale. Faut le savoir ça. Je dis ça, je dis rien. Il y a juste à une plainte à poser, YouTube fournit à la gendarmerie ton adresse IP et par rapport à ton adresse IP, la gendarmerie peut avoir ton adresse postale. Eh oui, sauf si tu as un proxy, encore avec un proxy, ils arrivent à le trouver. Hein. Ils sont pas que bêtes, hein, les polis, la gendarmerie. Ils ont des gendarmes qui sont très doués. Donc voilà. Sinon, sur ce, je vous dis à ce soir 20h sur le site cabinetmedium.fr.
N'hésitez pas à venir. L'inscription, le chat sont entièrement gratuits, j'ai beau le répéter, mais bon, ça c'est. On a l'impression que vous avez peur de vous faire arnaquer. Ben ouais, si vous pensez ça, ben, ça sert à rien non plus de suivre les pages YouTube. Parce que si vous pensez vous faire arnaquer, ben restez pas avec moi, quoi, c'est clair. Hein. C'est tout, voilà. Je ferai un live cet après-midi à partir de 14h, 14h30, je sais pas, ça dépendra de mon emploi du temps. Et sur ce, bah, je vous dis bonne semaine à tous et courage à tous. Et faites des réserves, les amis.